Oh merde! Vu l'heure, ça doit être le facteur. Et puis, il doit avoir ma box. J'arrive! Bah, elle est super légère. C'est quoi déjà le thème? Ah oui, classique! Mais c'est bizarre quand même. Bon, j'ai jeté un coup d'œil. C'est quoi ce délire? Elle est vide. Oh la vache! Ah! J'ai retrouvé ma voix. Ah. Voilà. On va faire doucement. Bon, c'était un peu space comme voyage. Mais c'était quand même cool. On va ranger ça là. Ah non, j'oubliais. Vaut mieux être prudent avec cette box. Ouh. Ah, quelle aventure, hein. Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hop, je pose ça là. Consacrée aujourd'hui à une box que je viens de recevoir, la box Woodbox classique. Et oui, alors j'ai reçu ça. On va l'ouvrir ensemble. Alors, dans ce thème classique, alors, la balle en vert, comme d'habitude, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par le petit livret, comme quoi que je vous mentais pas, la box classique avec une magnifique cassette qui n'est plus du tout... je crois qu'elle n'est plus du tout commercialisée. Certains d'entre vous ne la connaîtront jamais, ne l'ont jamais connue. Mais moi, j'ai connu la bonne JVC, une grosse cassette qui n'était pas pratique. Bon, c'est le... thème classique, c'est dans le mois de juin 2019. J'évite de me spoiler tout ça. Hop, on va regarder vite fait en bas les Wooters. Je vous les montre. C'est les Wooters du mois dernier. Voilà. Et pour le reste, on découvrira ça ensemble après. Donc je pose ça là. Je fais attention que le chapeau tombe pas. Alors, on va commencer par les pins. Ah, bah, je ne vois pas ce que c'est. Je vous montre. C'est une espèce de balle avec une croix. Ça a l'air orné de petits cristaux, de petits diamants. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en com si vous le savez. De toute façon, on verra peut-être dans le bouquin de partout. Après. Oh yes! Ça, j'aime bien. Choix ennemi. Alors, c'est The Legend of Zelda. Donc, c'est un magnifique porte-clé jaune de la Triforce. Porte-clé à lumière. C'est pas mal. Regardez. Ah, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien ce genre de tuto. C'est sympa. Hein, quand t'appuies au milieu, ça fait la petite musique. Ah, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Ah, c'est sympa. Alors, c'est The Legend of Zelda, donc c'est marqué Triforce. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un bon petit objet geek. C'est l'univers en plus que je kiffe, hein. Vous le savez, tout ce que vous voyez. Bah, là, je crois que j'arrive au t-shirt, déjà. Ah, non, il y a un truc sur le côté. Oh, c'est long. Alors, dans du classique, et oui, on a quoi? Du Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Alors, c'est bien la baguette d'Harry Potter, mais c'est un stylo. Alors, on va ouvrir, on va regarder ce que c'est. C'est un stylo baguette. Pas mal. Hein. Alors, on a la baguette. Et en bas, on a le petit capuchon. Et on voit que c'est un stylo. Pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est très, très geek. C'est... Voilà, c'est purement geek. C'est marrant. Donc ça sur l'univers Harry Potter, hop. Donc c'est bien la baguette d'Harry, hein, la baguette en bois, ça. Bon là elle est en plastique, mais c'est pas mal, c'est rigolo, moi j'aime bien. C'est très geek. On a une grosse boîte, une pop, une figurine, qu'est-ce que c'est? Waouh, j'ai pris à l'envers, mais pour moi elle était à l'endroit, je vais vous montrer pourquoi. C'est une Q-Fig, donc ça n'est pas une pop, mais une Q-Fig sur Spider-Man. Regardez. Elle est belle, hein. Franchement, elle est pas mal. Donc, il est sur un lampadaire à l'envers. Donc, je vous disais que je pensais l'avoir pris à l'endroit parce que moi, je l'ai vu comme ça. Donc, mais non, c'est à l'envers. Donc, non, je m'étais trompé. Je me suis trompé. Ah, il y a du scotch. On va l'ouvrir quand même, je vais vous la montrer. J'aime bien Q-Fig. Alors, les figurines de chez Q-Fig. Bon, je dis pas que les Funko Pop sont moches. Pas du tout, absolument pas, parce que j'aime beaucoup aussi Funko Pop. Que pop, ok. Mais Q-Fig, en fait, il y a un petit diorama à chaque fois. Et c'est en fait une mise en scène de la figurine. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc là, on a Spider-Man qui est à l'envers sur un réverbère, un lampadaire dans la rue. Et il prend une photo. Waouh, l'origine, elle est trop cool. Elle est belle, hein? Est vraiment vraiment joli avec le socle et tout, vraiment non. Q-Fig fait vraiment des figurines vraiment vraiment sympa. Moi j'aime bien, ils ont le souci du détail en plus. Belle figurine, moi j'adore. On en a eu pas mal chez Woodbox. Si vous êtes abonné, vous avez dû en recevoir, parce que là j'en ai 4 là-haut. Je sais pas si elles y sont toutes. Là, ça fait la cinquième et elles sont magnifiques à chaque fois. Après, je crois qu'on arrive au t-shirt. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ah, Toy Story, j'ai vu marqué en haut. Là, Toy Story. On va voir ça. Il a l'air sympa comme t-shirt. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est vraiment pas mal. Ah, elle est vraiment jolie. Regardez qui c'est. C'est petit martien. Quand il dit « Nous vous devons une reconnaissance éternelle ». Alors là, il est en t-shirt floqué. Alors, il y a marqué « Little Green Man, The Claw ». Après, il y a marqué « Ashusen ». Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je vous mets la traduction en dessous. Je suis bof en anglais. Mais je vous mets donc la traduction en dessous. Et en fait, le t-shirt est très très joli, moi j'aime bien. Toy Story, je vous le remontre. De toute façon, je vais l'essayer. Attendez, je regarde d'abord s'il y a toujours dans la boîte. Il n'y a plus rien. Mais l'intérieur de la boîte est sympa, regardez. C'est une cachette VHS. C'est une petite VHS, donc il y a marqué Woodbox. Et on peut voir là, il y a marqué Deadpool, Toy Story, Spider-Man, The Legend of Zelda. Donc, c'est vrai que les VHS ont marqué ça en gros, marqué en dessus. Ça me rajeunit pas, c'est moche. C'est moche d'avoir fait ça, Woodbox. Bon, allez, on va essayer ce petit t-shirt. Allez, on va le lancer, on va le mettre. Hop, voilà. Ah, ce magnifique t-shirt Toy Story. Je me remets droit, comme ça vous allez pouvoir le voir. Il est beau. Il est vraiment beau. Moi j'aime bien. Alors, on va passer au petit livret. Pour faire un petit récap et voir la méga Woodbox, je vous expliquerai après. Donc on a le QMX Spider-Man, donc la magnifique figurine de Spider-Man. On a le t-shirt Toy Story. On a le stylo Harry Potter, le porte-clés de la Triforce, et on a ce fameux pins. Alors, on a marqué pins, mais
Attention, tous aux abris, une arme particulièrement dangereuse vient d'arriver et vous ne pourrez pas échapper à son rayon d'action. Alléluia. Alors, si je me souviens bien, je pense que c'est ça, parce qu'on est dans la box classique. C'est une bombe qu'on a dans les Worms. Alors, si je me rappelle bien, donc les Worms, c'est des petits vers de terre qui se balancent, qui font une petite guerre, qui se balancent des trucs. Moi, je me suis énormément marré là-dessus. Et je crois que c'est une box qu'on balance. C'est une petite bombe plutôt qu'on balance sur les Worms. C'est vraiment sympa. Moi, j'adore ce jeu. Donc, si c'est vraiment ça, c'est pour ça que ça me fait rire. C'est un excellent jeu où on se marre bien. Et puis, ils font des petites voix. Ils sont tellement forts, les Worms. On pouvait balancer des moutons, des grands-mères et tout. C'était vraiment un gros délire, mais c'était vraiment sympa. Et je crois que c'est ça, je crois que c'est le Worms. Bon, allez, on passe à la Mega Woodbox. Qu'est-ce que la Mega Woodbox? Comme je vous l'ai dit à chaque fois dans chaque vidéo, Woodbox propose chaque mois de gagner une Mega Woodbox d'une valeur de 2000 euros. Comment faire? Il faut simplement avoir commandé la box du mois. Il y aura un tirage au sort et vous pouvez être sélectionné. Et vous avez 2000 euros d'objets geek à l'intérieur. C'est vraiment dingue. Et c'est vraiment top, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment magnifiques. Donc là, dans cette Mega Woodbox spéciale classique, on a une mini borne d'arcade, Arcade 1 Up, Street Fighter 2 Champion Edition. Donc c'est une belle borne d'arcade. Donc c'est une mini. Alors je sais pas, je ne me rends pas compte de la taille. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Une borne d'arcade dans sa pièce, c'est génial. Après, on a une statuette Star Wars. Belle statuette, une statue aussi de Batman Begins, elle est vraiment belle aussi. Il n'y a pas les tailles, ils ont restreint un peu les commentaires, donc on n'a pas les tailles. On a une enceinte sans fil Marshall, alors Marshall, ça dégage un très bon son. C'est surtout, moi je vois du Marshall pour les guitares électriques, je sais que ça dépote, c'est vraiment pas mal. Et une PS4 Pro, ah moi je veux bien la PS4 Pro parce que je n'ai pas la PS4 et j'ai envie de jouer à Dagon. Bon, je vais vous montrer. Hey. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la borne d'arcade, donc Street Fighter, qui est vraiment, vraiment belle. On a le Batman, la statuette aussi de Star Wars. On a l'enceinte Marshall et la PS4 Pro. Vraiment, vraiment bien. Et puis, on revoit les routeurs qui nous montrent un peu ce qu'ils ont eu le mois dernier. Vraiment, vraiment sympa encore cette box. Donc, je vous refais un petit récap. On a eu le stylo Harry Potter, qui est vraiment bien. Donc c'est la baguette de Harry avec qui fait stylo. C'est vraiment cool. On a eu le pins. Donc pour moi c'est la bombe Alléluia, la petite bombe divine des Worms. Donc elle est vraiment sympa. Elle est vraiment bien. On a eu le petit porte-clés Zelda qui s'allume et qui fait du bruit. Attention. Ça c'est un petit objet geek que j'aime bien. On a eu cette magnifique Q-Fit de Spider-Man. Elle est vraiment belle. Je vous montre l'arrière parce que là, on ne fait pas bien, bien, bien. Donc, elle est vraiment belle. Oula, je vous l'ai mis un peu bas, je suis désolé. Voilà. Et puis, on a eu le t-shirt, comme d'habitude, le petit t-shirt. Là, qui est un t-shirt Toy Story des Martiens. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que la petite intro vous aura fait plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, un maximum de vues. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me découvrir, abonnez-vous, il y a une petite pastille bleue qui se met juste en haut. Donc vous cliquez dessus et vous serez abonné. Donc j'espère que ça vous aura fait vraiment plaisir. Ce chapeau me va bien. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.